Je dis et je répète. Je dis et je répète. Et puis là, ils sont en train de parler là. Mon pays sait. Les gens de mon pays là, ils savent qui est Aya. Parce que quand ça a pété dans ma tête là, il y a laissé côté où il dit j'arrête les clashs. Et puis vous et moi là, on roule ici internet, ça va chauffer. Je dis et je répète. Vous allez faire une vidéo. Présentez vos excuses. Ou vous de la Côte d'Ivoire, bien le gouvernement et la COCAN vont nous entendre, vont m'entendre. Le gouvernement et puis la COCAN vont m'entendre. Payez ma soie des cieux. Si eux ont décidé de ramener des pour ne pas respecter le pays là. La Côte d'Ivoire, on a une seule partie, c'est notre pays. Moi, pour mon où un Ivoirien est parti au Cameroun depuis filmer les coins du Cameroun. Ça va pas dans vos têtes. Les deux Camerounais là, ça va pas dans vos têtes. À un moment donné, respectez le pays des gens. C'est quoi? À quoi de ballon? De un mois, vous allez me rentrer dans le pays, vous filmez, vous êtes. Je vois qu'il y a des Camerounais qui rient ici, riez. Vous ne me connaissez pas encore. Moi, je ne joue pas. Quand il s'agit de mon pays, là, je ne rigole pas. S'il y a les gens qui. Quand il s'agit de ma Côte d'Ivoire, 225, je ne rigole pas. Riez bien dans les commentaires. On va voir. S'ils vont rester dans le pays, là, et puis un mois, là, ils vont faire les un mois de Cannes, là. Les deux, là. Wallah, puis là, s'ils sont restés dans ce pays, là, sans sortir pour présenter leurs excuses, demander pardon pour leur comportement bizarre, ils ont tenu là. Ils peuvent se rester en Côte d'Ivoire là. C'est que moi, il ne m'appelle pas Aya. C'est que je ne m'appelle pas Aya. Pays si ivoirienne. À un moment, si je ne peux pas respecter mon pays à ces deux. Je ne sais pas qui va venir respecter mon pays. Ils se prennent pour qui? Les deux se prennent pour qui? Ils se prennent pour qui? Non, mais à un moment donné, quoi? C'est quoi? C'est quoi? Vous êtes parti au Qatar, vous avez fait ça là-bas? Vous êtes parti regarder la Coupe du Monde, vous avez fait ça là-bas? Là où il y a eu la Coupe du Monde, là. Il n'y a pas de coins désordonnés là-bas. Qatar est trop propre, quoi. Qatar, là, il n'y a pas de coins, des coins sales, il n'y a pas. Il n'y a pas. Quand vous allez dans d'autres pays, vous vous comportez bien. Parce qu'on a décidé de rigoler avec vous. On vous a dit que c'est Georgette Teto qui paye facture de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Vos histoires de belles familles, là, même, j'en ai marre, même, en fait, à un moment donné. C'est quoi? Si on doit rester, on sait plus aller, vous allez manquer de respect aux gens, là, c'est pourquoi? Georgette Teto, là, c'est dans votre pays, elle accomplit des choses, elle n'a jamais rien accompli en Côte d'Ivoire, hein. Elle vous appartient, elle n'appartient même plus à la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle ne voit pas ce qu'elle fait. Dans Côte d'Ivoire, là. Donc, vous n'allez pas vous permettre de venir dans le pays d'autrui. On est les seuls qui parlent de la poussière du Cameroun. Nous sommes les seuls. Hein? Le villageois qui est là, là. On dirait... Celui-là, tu es parti au Gabon, non? Tous les jours, les Gabonais vous allument, non? Les Gabonais même disent que au Cameroun, vous êtes des boys. Au Gabon, vous êtes des boys. Vous êtes les boys. Les Gabonais disent que les Camerounais